Bonjour PyConFR, je m'appelle Franck Rousseau et je vais vous parler de, du Python dans les films d'animation. Qu'est-ce que j'entends par film d'animation? Ça peut être tout simplement une publicité, un trailer de jeu vidéo ou carrément un long métrage. Donc pour commencer, je vais vous montrer une petite vidéo qui va vous donner un peu une idée de l'assemblage d'un film. Je ne vais pas aller jusqu'au bout, mais juste le début suffira, si ça veut bien se lancer. Donc, ce qui n'est pas évident. Ça se lançait il y a 2 minutes. Tant pis, on va faire sans la vidéo alors. Tant pis. On regardera peut-être en fin de conférence si ça a pu se charger. Donc je reviens à ma présentation. Donc, ce que je voulais vous montrer, c'est que quand on regarde un trailer de jeu vidéo, par exemple, où il y a beaucoup d'éléments qui sont impliqués, ça fait quelque chose de très joli. On s'attend, nous, en tant que développeurs, à que tout ça soit principalement fabriqué avec du C++ derrière, avec des logiciels basés sur C++. Mais en fait, il y a du Python à tous les étages. Et c'est ce qu'on va essayer de voir dans cette conférence. Comment ça se fait qu'on en arrive à utiliser du Python pour générer tout un film avec pour réaliser tout un film. Donc déjà on va partir du début, tout simplement. Au début, quand on a commencé à faire de la 3D, il y avait un graphiste chez lui qui faisait une scène qui était assez basique avec quelques cubes et peut-être un personnage au mieux et qui commençait à animer tout ça. Et il faisait un rendu, et ça lui donnait une image. Et pour faire ça, ça impliquait environ 2 fichiers, ou 3, ou 4, ou 5, mais pas tellement plus, parce qu'il avait sa scène, le fichier qui contient la scène 3D, il y avait les quelques textures. Les textures, c'est les images qu'on va appliquer aux éléments 3D pour les peindre, en gros. Et ça n'allait pas plus loin que ça. Mais après, il a commencé à se dire, je vais rajouter plus de choses dans ma scène. Et je vais même utiliser un logiciel pour travailler certaines parties. Par exemple, sur son personnage, il va rajouter des vêtements. Donc là, il va passer dans un autre logiciel pour travailler les vêtements, dessiner ses patrons, et ensuite les incorporer dans son logiciel précédent. Et puis il va y avoir de plus en plus d'éléments, de plus en plus de textures, et puis au début, il avait 5-10 fichiers, et puis il en a une centaine. Et ensuite, il se met à travailler à plusieurs, parce qu'un film, ça demande quand même beaucoup d'énergie. Donc là, il va travailler avec 5 personnes, donc il se retrouve avec 500 fichiers. Pour chaque élément que les personnes réalisent, ils vont faire des versions différentes. Donc ils se retrouvent avec 10 fois plus de fichiers. Donc on passe de 500 à 5000 fichiers. Et ensuite, ils vont faire plusieurs scènes, parce qu'ils veulent faire un petit film complet. Ils vont faire ça sur, 30 secondes, 1 minute. Et donc ils vont rajouter 3-4 plans, et du coup les 5000 fichiers, ça devient 20 000. Et ça commence déjà à demander une petite organisation. Et puis après, ils vont aller voir leur réalisateur, qui souvent n'est pas graphiste. Enfin, parfois il l'est, mais des fois il ne l'est pas. Et ils vont lui demander ce qu'il en pense. Il va dire, putain, c'est génial et tout. Par contre, l'arbre au fond, là-bas, il n'est pas terrible, quoi. Et là, c'est là que commence à y avoir des problèmes. Parce que il faut retrouver le fichier qui a servi à faire l'arbre. Et ensuite, il faut savoir quelle version c'était. Et une fois qu'on l'a retrouvé et qu'on l'a modifié, il faut recalculer tout ce qui a été calculé jusque-là. Parce que chaque fois qu'on fait une image en fait, en 3D, ça prend beaucoup de temps et ça demande aussi des post-traitements. Donc c'est toujours, dès qu'on veut changer une image, ça demande du travail. Et du coup, leur scène, à la fin, ça ressemble un peu à ça, quoi. Ils se disent, ça devient compliqué et ils s'arrachent les cheveux. Alors, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que l'univers de la 3D, c'est pas un univers de logiciels libres, c'est un univers de logiciels propriétaires, et donc ils sont très contraints par les logiciels qu'ils utilisent. Ils peuvent pas vraiment les bidouiller autant qu'ils voudraient. Et heureusement, quand même, les éditeurs de solutions 3D ont rajouté des possibilités de scripting dans leur logiciel. Donc quand il fallait faire une forêt, il n'y avait plus besoin de copier-coller 100 fois un arbre qu'on avait réalisé.
on faisait un script et ça générait toute la, enfin on le fait toujours, et ça génère une centaine, enfin ça, juste en lançant le script, on génère une centaine d'arbres et on a une forêt complète. Problème, c'est que chaque logiciel avait sa solution propriétaire de scripting. Et forcément, ce n'était pas très bien foutu. Puis au bout d'un moment, ça paraissait limité par rapport à tous les langages existants. Et heureusement, ils ont eu la bonne idée de se dire, on va prendre justement un langage existant et on ne va pas chercher midi à 14h, on va prendre un langage qui est assez facile d'accès. Et ce langage, c'était Python. Et du coup, petit à petit, les gens ont commencé à scripter leur scène 3D avec du Python. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que la culture de la 3D est proche de la culture hacker, la culture bidouilleur plutôt, dans le sens où chaque fois que vous voyez une belle scène en 3D, en fait, ils ont bricolé un truc pour que ça marche pendant les 10 secondes sur lesquelles le plan se fait. Mais globalement, souvent, si on le regardait d'un autre côté, ça ne marcherait pas. Et en fait, ils passent beaucoup de temps à bricoler. Ils aiment bien avoir des grosses machines qui démontent et qui remontent et qui tunent pour que ça aille plus vite. Et donc, du coup, l'idée de scripter les choses, ça leur plaisait bien. Et il y a des artistes qui sont devenus petit à petit ce qu'on appelle des technical artists en anglais, des artistes techniques, qui petit à petit sont devenus des développeurs. Et eux ont continué à... pardon pour le slide. Et donc, eux, ils ont continué... à utiliser Python. En fait, plus ils sont devenus des développeurs aguerris, quand ils sont devenus des développeurs aguerris, ils ont continué à utiliser Python. Et là où ça allait encore plus loin, ce que j'ai quand même oublié de dire, il y a quand même quelques solutions libres en plus qui ont émergé, que sont Blender pour faire de la 3D et Natron, je ne sais pas comment ça se prononce, qui pour faire ce qu'on appelle du post-traitement, enfin du compositing, c'est quand on va rajouter des effets sur des images déjà calculées. Et une fois qu'ils sont mis, il y a carrément un nouveau métier qui a émergé, qui s'appelle le Pipeline Technical Director. Et lui, en fait, qu'est-ce qu'il va faire ? C'est qu'il va prendre chaque étape de fabrication et il va mettre du lien entre elles. Donc, comment on fait un film ? Déjà, je vais vous expliquer un peu les grandes étapes d'un film. Comment on fait un film ? Donc, il y a toute une étape, toute une partie que j'ai zappée, qui est en gros l'écriture des storyboards, des concepts, des images, des grandes lignes artistiques de ce qu'on veut voir. Mais après, du coup, quand il rentre dans la scène 3D, il commence par mettre en place des éléments un peu moches, un peu comme qu'on le fait nous en développant en des prototypes. Ils vont mettre des éléments sur une scène. Ensuite, ils vont faire un peu de R&D, ils vont se dire, est-ce que toutes nos idées géniales vont être réalisables ? Donc, ils vont commencer à faire des rendus avec quelques effets spéciaux et voir si ça marche. Une fois qu'ils sont OK là-dessus, ils vont commencer la modélisation à proprement parler. Donc, ça, c'est la réalisation des volumes en 3D, mais statiques. Ils vont rajouter les coups de peinture en faisant les textures. Et ensuite, ils vont commencer à rendre les éléments statiques. Par exemple, sur un personnage qui est comme ça, ils vont rajouter des éléments sur ce personnage pour le rendre plus facilement animable. Une fois qu'il est rendu animable, ils vont l'animer. Et ensuite, ils vont rajouter les effets spéciaux. Ils vont s'assurer que les lumières sont bien placées, qu'elles sont artistiques et réalistes aussi. Et à la fin, ils vont faire le rendu final, ils vont générer l'image finale. Et après encore, il va y avoir du post-traitement, mais là, on a les grandes mailles de la réalisation d'une image 3D. Et alors, où apparaît Python là-dedans ? C'est un peu partout, en fait. C'est parce que le Pipeline Technical Director, lui, ce qu'il va faire, son boulot, globalement, ça va être d'automatiser le passage d'une étape à une autre. Parce que souvent, ce n'est pas le même qui va faire le modeling, ce n'est pas la même personne, ce n'est pas la même compétence que de rajouter les fils à la marionnette, comme sur cet exemple-là, et ce n'est pas les mêmes compétences que de faire l'animation ou que de faire les effets spéciaux. Et donc, du coup, il va falloir faire passer les éléments d'une étape à l'autre.
Donc c'est là donc ce que je disais, c'est que du coup le TD, donc on dit le pipeline TD, il va en technical director, il va avoir un langage de prédilection qui est Python et il va scripter tous les passages d'une étape à une autre. Pour en plus en rajouter encore un peu, quand on fait de la 3D, on utilise beaucoup de ressources. Surtout de calcul. Et quand je vous parlais des fichiers au début, là, des 20 000 fichiers, chaque fichier, en gros, il fait 100 mégas. Donc, et encore, il peut faire plus. Ça peut aller jusqu'à 1 giga. Un objet ou une scène peut aller jusqu'à 1 giga, voire même plus. Donc, et là, maintenant, avec la réalité virtuelle, c'est des fichiers monstrueux maintenant qui sont sortis. Parce qu'avec la réalité virtuelle, du coup, il faut faire des objets sur tout autour. Donc, pour le coup, on peut beaucoup moins tricher et ça devient encore plus compliqué. Donc, ça demande beaucoup de disques durs. Ça demande un gros débit réseau parce que souvent, ils ont un disque dur partagé et du coup, il ne faut pas faire passer les fichiers en permanence. Et ensuite, tous les calculs demandent beaucoup de cartes graphiques, de GPU. Et tout ça, ils le mettent dans une infrastructure, dans un cluster, quoi. Ils ont des mini data centers en fait chez eux. Et tout ça, c'est pas facile à administrer. Et qu'est-ce qu'ils utilisent évidemment comme outil pour faire ça? Ils utilisent les outils d'administration système classique. Et quand ils voient le choix qu'ils ont, ils se tournent plutôt vers Ansible ou SaltStack. Et encore une fois, ils utilisent Python. Et voilà. Et même quand ils utilisent des systèmes propriétaires, souvent ces systèmes propriétaires sont scriptables en Python. Ensuite, il y a aussi tout un aspect qui est la gestion de production. C'est que quand commence à y avoir 50 personnes impliquées sur une production, ça peut aller jusqu'à 500, et du coup, il faut des gens pour aider à organiser tout ça. Et eux utilisent des outils de gestion de production qui leur permettent de suivre si on a bien avancé. Et là encore, il va falloir lier tous les outils, toutes les étapes qu'on a vues précédemment avec ces mêmes outils de gestion de production. Et donc là encore une fois, on va utiliser des API écrites en Python et on va utiliser des clients écrits en Python pour se plugger en fait à ces outils. Donc voilà à quoi ça ressemble. En gros, on a une liste de plans, et on va avoir différentes étapes de fabrication et puis les gens ils vont dire c'est OK, pas OK. Mais du coup, derrière, ça fait des API que les gens peuvent, que après les pipeline technical directors réutilisent pour indiquer aux graphistes, pour générer en gros les scènes que vont utiliser les graphistes. Donc tout ça, ça peut laisser un peu perplexe. Donc on va voir quelques cas d'utilisation de Python dans la 3D. Le premier cas, c'est le scene builder. Alors qu'est-ce qu'on appelle par scene builder? C'est tout simplement un outil qui va permettre de régénérer une scène automatiquement. Parce que comme on l'a vu, tout est très découpé dans la 3D. Si on prend un exemple tout simple, les personnes qui vont modéliser les caractères, ils vont faire un fichier, les personnages, ils vont faire un fichier par personnage. Et après, du coup, quand il y a un animateur qui veut animer un plan, il va avoir envie de démarrer vite, il n'a pas envie d'aller chercher tous les personnages qui correspondent à son plan. Donc il va aller dire je travaille sur tel plan. Les outils, les scripts Python vont aller chercher dans l'outil de gestion de production quel personnage apparaît dans tel plan. Une fois qu'ils le savent, ils vont aller récupérer les fichiers au bon endroit et ils vont les importer dans la scène. Et comme ça, l'animateur peut travailler directement. Donc ça, c'est un exemple, mais ça se retrouve à toutes les étapes. Pour le rendu final, on va voir la même chose. On va importer les différents personnages et on va importer les animations. Et ensuite, on peut lancer directement le rendu. Bon, je caricature, il faut aussi importer les caméras, les lumières. C'est beaucoup plus compliqué que ça, mais c'est l'idée générale. Et aussi, on va avoir une notion de versionning des objets. Ça ressemble un peu au code. C'est que quand un objet est périmé, on pourra l'indiquer aussi à l'utilisateur. Donc là, j'ai trouvé des écrans, des copies d'écran. J'ai pas pu ramener ce que j'ai vu dans les studios, mais je trouvais des copies d'écran. Donc ça, c'est une scène 3D. On voit plusieurs éléments. Et en fait, à gauche, il y a la liste de tous les éléments qui sont présents. C'est un arbre. Si on parle structure de données, ça revient à faire un graphe sous forme d'arbre. Et voilà.
Et du coup, après, ils peuvent avoir des outils de ce type-là qui leur donnent les versions des différents éléments et qui leur permettent de les importer sans qu'ils aient à penser tellement fichier, quoi. Enfin, les choses se font un peu toutes seules. Il y a un autre... petite parenthèse, ils utilisent beaucoup Qt dans la 3D. Ils utilisent aussi beaucoup PyQt qui permet de faire des interfaces en Qt facilement. Et surtout, ces interfaces sont intégrées dans les outils utilisés par les graphistes. Ensuite, on a le sanity check. Donc ça, c'est un autre cas d'utilisation. Je vais pas tous, je vais vous parler que de trois cas d'utilisation parce qu'après, sinon il me faudrait une heure de plus. Donc un autre cas d'utilisation, c'est le sanity check. En gros, on va vérifier que les éléments de la scène sont corrects, que chaque élément a un nommage particulier. Et on va s'assurer que le nommage soit bien fait. On va s'assurer que la topologie de l'élément est correcte, parce qu'on peut faire un objet 3D qui visuellement est OK une fois qu'on l'a rendu, mais qui peut être mal foutu et qui fait qu'on ne peut pas l'animer, par exemple. Il va y avoir aussi des questions de position. Enfin, voilà, il y a tout un tas de vérifications qu'on va pouvoir faire. Il y a aussi des calques qui sont appliqués. Bon, là, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais il y a tout un tas de vérifications qu'on peut faire. Et du coup, ils vont automatiser ces vérifications avant de publier un élément. Et ça ressemble un peu à nos tests unitaires, dans le fond, où ils peuvent vérifier tout le temps l'intégrité de ce qu'ils produisent. Après, donc, il y a une autre étape qui va être la publication. Donc, maintenant qu'ils savent que leur scène est correcte et qu'elle est utilisable par les autres, ils vont chercher à publier ce qu'ils font. Donc une étape de publication en 3D, elle se fait en deux étapes. La première, c'est d'envoyer en fait à l'outil de gestion de production le fait qu'on a fini quelque chose et qu'il faudrait le valider. Et une fois que les gens de la production l'ont validé, on va automatiquement on va lancer la procédure de publication qui va générer les éléments nécessaires pour que l'étape suivante puisse démarrer. Et c'est pareil, ils vont avoir une série d'étapes. Là, ils vont générer trois types de fichiers différents et ils vont appliquer différentes opérations de conversion et après, ils vont copier les fichiers au bon endroit. Donc ça, c'était trois cas d'usage. Après, ils commencent à rentrer un peu dans la... C'est quand même un monde qui est très proche de... Enfin, il y a quand même une culture propriétaire dans le monde de la 3D parce que les principaux outils qu'ils utilisent sont réalisés par Autodesk, qui est une grosse boîte américaine et qui n'est pas spécialement orientée logiciel libre. Mais quand même, il commence à y avoir de plus en plus une culture logiciel libre, notamment avec Blender qui est de plus en plus stable et qui marche mieux maintenant que les produits Autodesk. Il y a aussi dans les développements de bibliothèques, on commence à voir des choses émerger, notamment une qui peut vous intéresser, qui est QtPy, qui permet d'abstraire en fait toutes les versions de Qt. Donc pourquoi eux ils ont fait ça? Parce que dans certains outils, c'est plutôt PySide PySide, c'est un fork de Qt. Enfin bon, c'est une alternative à Qt, mais qui a une API à peu près similaire. Donc il y a PySide dans un outil, il y a Qt4 dans un autre, Qt5 dans encore un autre. Du coup, c'était un peu le bordel. Ils en avaient marre de réécrire à chaque fois leurs outils spécifiquement pour... leur script spécifiquement pour chaque outil. Et du coup, ils ont abstrait ça avec QtPy. Et après, ils ont refait la même chose pour cette fois-ci, abstraire carrément leurs outils 3D. Ils voulaient que... Par exemple, dans une scène 3D, quand on veut sélectionner un élément, ça ne s'écrit pas de la même manière quand on est dans Maya ou dans Blender ou dans 3D Studio Max. Et eux, du coup, ils ont fait une bibliothèque où on ne réfléchit plus, on dit « je sélectionne un élément dans la scène et je m'en fiche de là où je suis ». Comme ça, leur logiciel devient portable d'un outil à un autre. Ils ont des Dockerfiles, comme ils font beaucoup de lancements en batch sur des render farms, pour eux c'est intéressant de pouvoir spawner justement un outil, un Blender par exemple, et de pouvoir lui faire faire des choses de manière un peu maîtrisée. Et après, donc, évidemment, il y a aussi des outils libres, donc là c'est carrément la solution complète, qui eux ne sont pas forcément écrits en Python, mais qui ont une zone de... Enfin, qui sont scriptables en Python et qui en rajoutent un peu qui rajoutent un peu de culture libre au milieu.
Donc, pour conclure, donc le monde de l'animation, c'est un monde qui est complètement pythonisé. C'est vraiment impressionnant à voir. Quand on parle avec les gens, ils sont même fiers de dire qu'ils font du Python. Parce qu'il y en a beaucoup aussi qui viennent du graphisme. Donc, pour eux, ça leur rajoute un truc de dire « et en plus, je sais développer et en plus, je sais faire du Python ». Donc, ah oui, ça, y a aussi, ils ont aussi, c'est aussi des gros utilisateurs de Qt. Et en fait, avec Python, ils ont réussi à rajouter une couche d'abstraction à tous leurs outils propriétaires. Et petit à petit, en gros, ils sont en train de standardiser leurs outils à travers Python. Donc, c'est quand même un phénomène assez intéressant. Ça pourrait être intéressant de se poser la question, est-ce que ça pourrait se reproduire dans d'autres industries ? Et voilà, c'est quand même plutôt sympa. Et comme ça, on est content. Voilà, on a des singes contents. C'est tout. Donc, je finis quand même par un petit encart de publicité. Donc, moi, j'ai monté une société CG Wire qui fait des logiciels libres pour la gestion de production et la gestion d'assets pour les gestion de fichiers pour l'industrie du cinéma. Ce que je raconte, je rentre plus dans le détail sur mon blog, donc sur Medium avec CG Wire. Sur Twitter, je tweete des choses aussi. Vous pouvez me contacter là si ça vous intéresse d'en discuter. Si vous voulez rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Et au passage, donc un studio avec qui je travaille beaucoup qui s'appelle Unity Image, qui fait des plutôt belles images, qui a tendance à ramener un peu les meilleurs graphistes de la place parisienne chez eux. Ils cherchent un développeur Python, donc l'ambiance est plutôt cool et ensemble on a mis en place des bonnes pratiques, donc ça peut être, si vous cherchez un nouveau boulot, ça peut être pas mal. J'ai aussi un site tout en Python qui s'appelle hackerevents.org que j'ai pas trop mis à jour ces temps-ci, mais que vous pouvez aller voir. Et c'est un site complètement communautaire et n'importe qui peut participer. Si vous voulez le mettre à jour, c'est cool. Et voilà. Donc maintenant, je suis à l'écoute de vos questions. Plus sympa. Alors, Marc, si vous voulez les trucs. Beaucoup de questions. Bon, on va commencer dans l'ordre. Dans le monde du jeu vidéo, c'est beaucoup l'UA qui a pris. Et c'est Python. Moi, je me serais attendu. Enfin, ça fait. C'est bien que ça soit Python. Mais il n'y a pas quand même d'interaction entre les deux mondes. Pas beaucoup. Je connais juste un moteur de rendu qui a été fait par un éditeur indépendant qui au début avait fait du scripting Lua et je crois que maintenant ils ont rajouté du scripting Python parce que les gens faisaient pas assez de Lua en fait. Du coup, mais c'est vrai que je me suis pas posé la question. Et non, Lua est pas très répandu. Effectivement, surprenant, mais c'est surprenant. Mais je pense que ça vient parce que je pense que ça vient plus des, tout ça vient des graphistes en fait qui se sont mis à geeker en fait sur les outils. Et je pense qu'ils ont choisi, ils ont pas, l'UA devait être beaucoup moins populaire que Python, et du coup pour eux c'était plus facile de choisir un langage populaire. Quoi. Okay. Ouais. On va regarder. Elle est assez basique. Non bon, ça perd de marché. Bon, je sais pas, je vais recharger, mais bon non, ok, je sais pas. C'est bizarre, pourtant je suis en 4G, mais. Ah, est-ce qu'il a basculé de... Bon, on va regarder si ça charge. Il y avait une autre question. Parce que moi, la relation entre les gens qui sont plus axés développement, les gens qui sont plus axés artistes, alors, c'est... Pas, ou vous en voulez un couloir ? C'est pas évident. Je pense que ça dépend déjà un peu de la culture de chaque studio. Je sais quand j'ai commencé à travailler... Alors, c'est vrai que j'aurais peut-être dû parler un peu de mon background. J'ai oscillé entre des industries différentes et donc je commençais à travailler dans la 3D. Enfin, je fais mes stages dans la 3D. Après, je suis allé en CS2I. Je trouvais que ça m'a pas plu. Du coup, je suis retourné dans la 3D. Ensuite, je suis allé monter une boîte et maintenant, depuis un an, je reviens dans la 3D. Et du coup, j'ai vu quand même l'évolution au cours du temps. Donc, quand j'ai commencé, c'était une boîte un peu bizarre où en gros, on parlait pas aux développeurs. Ensuite, quand je suis revenu, clairement, ça avait déjà pas mal changé. Enfin, on sentait que les développeurs étaient perçus quand même comme des gens qui donnent des coups de main,
Après, ce qui se passe, c'est que l'artiste technique, des fois, est un peu hyper fier de ce qu'il fait et il ne veut pas trop qu'on vienne lui expliquer comment il doit le faire. Mais globalement, quand même, ça se passe assez bien. Mais il a un peu plus de mal avec tout ce qui est outils de versionning. Enfin, dès qu'on commence un peu à le contraindre, des fois, c'est pas toujours évident. Mais une fois qu'il fait la bascule, après, c'est pareil, quoi. Enfin, quand tu utilises Git, au début, ça fait faire un peu peur. Mais une fois que tu l'utilises, après, tu peux plus t'en passer. Et, enfin, du coup, tu constates le même genre de phénomène. Et après, maintenant que je reviens dedans, et que bon, là, c'est moi qui ai. En fait, j'ai donné un coup de main à Unity Image pour qu'ils mettent en place tout leur process de développement. Et du coup, là, on applique les méthodes agiles et ça marche bien. Enfin, les méthodes agiles dans le sens où on fait en sorte que les gens se parlent et que tout le monde participe à l'avancement. Et depuis qu'on fait ça, ça marche plutôt bien. Mais sinon, il reste quand même un côté fascination, il y a quand même encore une barrière dans le sens où les gens sont un peu fascinés par ce que les développeurs font, mais en même temps, les stars dans les studios, ça reste quand même les graphistes. Donc c'est un peu spécial, mais je pense que ça progresse beaucoup. Et comme la frontière est de plus en plus vague, du coup, ça se passe plutôt bien. Et comme il y a beaucoup de développeurs qui sont des anciens graphistes aussi. Ouais. Ouais. J'ai utilisé After Effects et je faisais des scripts pour After Effects, ouais. Avec un langage propriétaire After Effects un peu dégueulasse. Et je voulais savoir du coup si depuis le temps en fait ça avait évolué, si tu savais si par exemple After Effects avait développé la possibilité de ou s'il y avait des. Alors, cette partie-là de la réalisation 3D, je la connais un peu moins bien. Nuke, c'est équivalent d'After Effects, c'est ça? En tout cas, pour tout ce qui est post-traitement, les gens utilisent beaucoup Nuke, qui est scriptable en Python. Donc après, After Effects, je ne sais pas où ils en sont à ce niveau-là. Mais c'est peut-être une des raisons pour laquelle, quand ils font des films un peu plus conséquents, ils abandonnent After Effects pour passer sur Nuke, parce que tout simplement parce que ça, ils peuvent le scripter. De la même manière, ils passent sous Linux. Quand ils commencent à faire des films très gros, ils passent sous Linux parce qu'ils peuvent, ils peuvent mieux scripter les choses. Au début, ils sont très Windows et après, ils passent sous Linux. Finalement, c'est peut-être la taille du film qui a un impact sur l'utilisation de Python ou non. En te parlant, là, c'est ce dont je suis en train de me rendre compte. Parce que ouais, ils passent sous Linux quand ils en ont besoin, parce que Maya marche mieux sous Linux. Enfin, ils peuvent mieux. Mieux scripter Maya et compagnie. Donc Nuke, c'est probablement une des raisons pour lesquelles aussi ils utilisent Nuke, qui du coup est scriptable en Python. Voilà. C'est un projet récent, ça fait longtemps maintenant, ça fait au moins 10 ans, mais ça coûte très cher, donc c'est peut-être pour ça que tu connais pas. Enfin, c'est pas le premier truc que les gens vont utiliser. Mais tu peux regarder, c'est l'équivalent de Natron, dont j'ai parlé tout à l'heure, et tu peux regarder les deux. Tous les blockbusters, ils sont faits avec Nuke. Donc là, concrètement, les boîtes que vous avez citées, elles sont des outils pour les pipeline directeurs? Alors, les boîtes que j'ai citées, non. Alors, ça n'a pas marché, ça. Non, bon, la vidéo ne marche vraiment pas. Alors, les boîtes que j'ai citées. CGWire, donc ça c'est ma boîte, donc oui. Unity Image, en fait, eux sont c'est un studio, donc eux ils ont des. Eux ils recrutent en gros des pipeline directors, mais plus des développeurs, mais c'est assimilé, quoi, on peut dire. Enfin, ça dépend un peu de la culture du studio, il y en a qui vont voir le pipeline director plus comme un artiste technique, d'autres qui vont le voir comme un développeur, donc après. Ça dépend si le studio met plus ou moins d'énergie dans sa R&D ou pas. Voilà. Donc Unity Image, c'est un studio qui développe sa R&D, et CGWire, c'est mon projet, quoi. Voilà. Oui. Juste pour savoir tu savais si la contamination ou la migration vers Python, ça s'était fait aussi dans le sens, c'est-à-dire par rapport au core rendering ou la partie R&D. Est-ce que tu sais si des équipes qui font par exemple des moteurs de rendu ou des projets spécifiques pour faire du rendu
Alors ça, j'en ai pas beaucoup rencontré. J'ai surtout rencontré les gens dont je parlais, là, de Guerilla Render, qui, eux, font du C++. En fait, eux, ils vont plutôt chercher à rentrer dans du bas niveau, aller carrément sortir de l'assembleur s'il faut. Et donc, je pense qu'ils ne se posent pas trop de questions sur les parties rendues. Après, ce qu'il y a, c'est que oui, par contre, quand on utilise une render farm, donc une render farm, ça va être un empilement, c'est comme un serveur. Oui, c'est un serveur, mais c'est un empilement, en gros, de cartes graphiques. Et devant, ils vont mettre des interfaces pour gérer la job queue, quoi, qui est envoyée à la render farm. Et ça, il y a pas mal de scripting en Python aussi, quoi. Mais voilà. Mais après, pour du calcul, non, pour l'instant, j'ai pas trop vu. J'ai plutôt vu que du C++, quoi. Et là, il y a un truc. Alors, je sais pas si c'est un peu. Ouais, non. Ouais, mais ça peut être une idée, je trouve. Ouais, ceux avec qui j'ai discuté, ils sont un petit peu moins là-dessus. C'est vrai que ça fait longtemps. Je connais une équipe qui fait beaucoup de rendus en interne. Ça vaudrait le coup que je leur en parle. Je sais qu'eux aussi, c'était très C++. Il y a probablement des choses à faire, mais je pense qu'ils n'ont pas le réflexe encore aujourd'hui. C'est plus pour eux. Ouais. Je pense qu'aujourd'hui, le réflexe, c'est plus du C++. Du coup, j'avais une autre idée, mais que j'ai perdue en cours de route. Mais bon, globalement, enfin oui, c'est sûr qu'au bout d'un moment, ils pourraient. En fait, ce qu'ils font beaucoup aussi, c'est qu'ils lancent, ils font un peu les choses comme des bœufs, ils vont juste lancer, ils vont dire je lance 3D Studio Max ou Maya ou Blender et fais le rendu, quoi. Ils vont pas trop forcément se poser. Quand ils arrivent à faire eux-mêmes leur moteur de rendu, c'est que c'est déjà une boîte particulière qui fait des gros films, quoi. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Encore. Oui. Est-ce qu'il y a des studios qui l'utilisent déjà ? Alors là, il y a. Des studios, c'est des demandes de studios ou c'est toi qui proposes des choses ? Les deux. Alors, du coup, il y a Unity Image qui utilise la partie serveur, donc qui est tout écrit tout en Python, c'est ça que j'ai oublié de le préciser. Et là, il y a un petit studio à Arles qui s'appelle Tu nous as pas vu, qui utilise aussi l'interface. L'interface, pour l'instant, elle est très jeune et il y a encore pas mal de features à ajouter pour que ça soit hyper efficace. Mais c'est déjà utilisable, en fait. Ouais. D'autres questions ? Non ? Bon, merci encore pour votre attention.